La météo avec vous, Alexandra. Les températures vont baisser un petit peu aujourd'hui. Hein. Oui, un petit peu, notamment sur le nord-ouest. Mais globalement, les conditions météo vont rester agréables, notamment si vous êtes du côté de hier. Regardez, il faisait beau hier. Et vous allez avoir du beau temps aujourd'hui si vous êtes au Lavandou aussi. Eh bien, des conditions météo très agréables. Alors ce matin, on a quand même quelques nuages bas, quelques bandes brouillard, notamment en direction du golfe de Gascogne ou encore du côté de la Bretagne. Partout ailleurs, plein soleil entre l'est et les régions méridionales. Et puis dans l'après-midi, de nouveau, quelques petits orages, orages localement assez violents, principalement sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes ou encore la montagne Corse. On retrouve de très bonnes conditions à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Brest ou encore du côté de Nancy. Les températures très douces ce matin, pas besoin de petits gilets, il fait déjà très doux. Regardez, 19 degrés en moyenne sur les régions du Nord, déjà 22 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, il continuera à faire chaud, même si ça baisse un petit peu près des côtes de la Manche, avec seulement 21 degrés du côté de la Bretagne ou encore 22 degrés attendus à Quimper, mais partout ailleurs, les conditions restent vraiment estivales. 31 degrés à Toulouse, 29 degrés à Dijon et 34 degrés tout de même entre Marseille et Perpignan. Et Alexandra, ce qui est agréable, c'est qu'il va continuer à faire beau ces prochains jours. Oui, 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 Romain, c'est un beau week-end qui vous attend. Alors attention, hein, week-end quand même en demi-teinte, puisque les journées de vendredi et de samedi resteront estivales. Mais à partir de dimanche, eh bien, les conditions météo vont en quelque sorte changer. Avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, un front froid arrive. Conséquence pour la rentrée, eh bien, des températures qui vont dégringoler. Il fera frais le matin pour les journées de lundi, mardi et mercredi. Petit coup de fraîcheur donc prévu la semaine prochaine. Pour la rentrée des classes, on ressortira pour l'occasion un petit gilet le matin pour amener les enfants à l'école.